Bonsoir fanatique Bladio, bienvenue avec nous dans la vidéo ça. Nous allons parler de Real Madrid Osasuna. Match ball ça va dérouler dans la Liga Santander. Par rapport côté équipe Real Madrid là, gagne très bonne nouvelle qui tombe pour tous les équipes yo, y ont début saison incroyable. Nous allons gagner pour venir avec tout ça on doit connaître sur match ball ça qui c'est Real Madrid Osasuna. Ou même qui t'a aimé connaître tout détail qui nous a rien pour nous porter dans la vidéo ça, c'est rester avec nous dans la vidéo ça jusqu'à la fin. Si vous vous abonnez à la chaîne ça, n'a pas invité au fait dans la vidéo ça, pas oublier de quitter un like, un commentaire, pas oublier de partager la vidéo ça avec vos amis. On a pas de pause, n'a pas tourné pour plus de rapide après pause la fanatique football yo j'en dis vous mettre tout dans commencement vidéo nous va parler de Real Madrid Osasuna si un match qui va gagner pour le dérouler dimanche 4 octobre 2022 à côté de 3h pour ou même qui dans pays d'Haïti. J'ai déjà annoncé bonne nouvelle par vos côtés équipe Real Madrid là. Bonne nouvelle là, c'est que Benzema déjà retourné. Carlo Ancelotti confirmé ça. Messi a lui-même déjà bel et bien retourné pour équipe Real Madrid là. Côté le bral démarrer face à équipe Osasuna dans cadre 7e journée dans la Liga Santander. Yon Benzema qui était absent pour équipe Real Madrid là depuis 6 septembre fanatique. C'était face à équipe Celtic là dans cadre première journée dans phase de poule Ligue des Champions. C'est depuis date ça Benzema lui-même était absent pour équipe Real Madrid là. Real Madrid a joué plusieurs rencontres sans Benzema, il est arrivé faire victoire fanatique yo. Et bien monsieur là qui déjà bel et bien retourné pour équipe ça, c'est pas seulement retourner Benzema, retourner un fanatique, c'est que Carlo Ancelotti lui-même l'a déjà confirmé Benzema bral démarrer face à l'équipe Osasuna dans le cadre 7e journée dans la Liga Santander. Qui ça nous pense? Est-ce que Benzema lui-même, condition physique, li, bral permettre lui démarrer face à l'équipe Osasuna? Nous avons entraîné Carlo Ancelotti. Il confirme ça, il dit condition physique Benzema très bon fanatique. Yo, nous pas besoin inquiéter des conditions physiques pour Benzema. Il fait qu'on est Messi lui-même l'a entraîné très bien avec l'équipe Real Madrid. Il fait quoi Benzema toujours été Benzema fanatique football. Yo. De l'autre côté, Carlo Ancelotti confirmé blessé Luka Modric là. Côté le fait qu'on est Messi lui-même, lui déjà absent pour équipe Real Madrid là face à équipe Osasuna dans le cadre de 7e journée dans la Liga Santander. Luka Modric est arrivé blessé, c'était dans la Ligue des Nations. Côté Messi a représenté et pays dans deux journées qui t'a vu dans phase de pour le fanatique football, c'était la 5e journée à la 6e journée. Et bien, il faut que nous rappelions fanatique, Luka Modric lui-même, n'est pas blessé pour grand Messi, c'est que l'équipe est arrivée qualifiée pour demi-finale. Nous sommes capables de dire, et bien, Kouassi qui lui-même, situé dans le groupe B1 qui qualifie fanatique avec 13 points pour demi-finale. Yon Luka Modric qui continue à faire parler de lui. Nan football lan fanatique football yo et nous capable tout confirmer ça pour fanatique football yo d'après Carlo Ancelotti nous connaissons qui s'est entraîné équipe Real Madrid lan monsieur Luka Modric a pris point entraînement c'est lundi 3 octobre 2022 il tout fait connaître n'est pas capable présent face à équipe Shakhtar. Mais week-end, Kabini là, la belle est bien présent pour équipe Real Madrid. N'a pas été venu avec plus de détails pour fanatique football. Yo, en passé dans le match Real Madrid Osasuna pour nous capable rappeler fanatique yo comment début saison y est pour des équipes ainsi là. Yo, Real Madrid nous connaît déjà fanatique yo, n'est pas un secret pour personne. 6 matchs. 6 victoires, une des autres, Real Madrid qui continue
a fait causer Real Madrid dans moment a fait vidéo ça qui c'est leader la Liga Santander pas gain doute sur ça comme nous connaît Barcelone bral gain pour jouer fanatique yo li capable retourner prendre tête classement dans l'équipe Real Madrid là et bien dimanche cap vini là nous capable dire si Real Madrid fait victoire li capable retourner pour en tête classement dans l'équipe Barcelone. Et si toutefois Barcelone t'a fait victoire sous équipe Mallorca. Qui t'aime rappeler fanatique comme équipe Osasuna a fait un bon début de saison, 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites, bagay ou pas ta pensée pour équipe Osasuna, eh bien c'est lui l'a fait la fanatique yo, un début de saison incroyable pour l'équipe Osasuna. Osasuna nous connaît qui était ouvert la Liga Santander pour saison 2022-2023. C'était avec l'équipe Sevilla. C'est deux équipes Sayo qui était ouvert championnat d'Espagne de football. Côté Osasuna, t'es arrivé gain équipe Sevilla pour 2-1. Nous capable fort qu'on est deuxième journée Osasuna te joué, il était gagné pour 2-0, c'était équipe Cadiz là. Troisième journée, il était perdu là pour 1-0 face à équipe Real Betis là. Et quatrième journée, il était gagné là pour 2-1, c'était équipe Valle et Canoa. Cinquième journée, il était gagné 1-0, c'était équipe Almeria. Sixième journée, il perdit là pour 2-0, c'était équipe Getafe. Septième journée, il va gagner pour recevoir équipe Real Madrid là, une équipe Real Madrid nous connaît qui vraiment solide, qui vraiment en forme, qui vraiment a fait un début de saison incroyable fanatique. 6 journées pour 6 victoires. Yonde l'autre, Real Madrid pas bay chance avec aucune équipe pour ta même fait un match avec lui. Nous pas connaît comment ça va lier face à l'équipe Osasuna. Nous va capable ensemble avec Vladi, Luis Enrique, Carlo Ancelotti convoqué pour équipe Real Madrid là qui pour recevoir équipe Osasuna dans cadre 7e journée dans la Liga Santander. Trois gardiens qui convoqué aux fanatiques, c'est Thibaut Courtois, Lenin Canizales, défenseur et latéral si Carvajal et Militao, David Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Antonio Rudiger, Mendy, nous gal pour mi terrain aussi, Toni Kroos, Camavinga, Valverde, Aurélien Tchouaméni et Ceballos, attaquant aussi, Eden Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrigo, Mariano. Voilà, c'est Luis Monsayo, eh bien, Ancelotti convoqué pour équipe Real Madrid là qui pourrait recevoir équipe Osasuna. Nous va capable voir statistique d'équipe ça avec Blazi, c'est pas pour la première fois yo va gagner pour rencontrer si n'a regardé dans l'écran avec Blazi, 55 victoires déjà pour équipe Real Madrid là, 13 victoires pour équipe Osasuna, 18 matchs entre eux même qui t'en vidéo ça jusqu'à moment n'a parlé là, fait calcul là, quittez là un commentaire pour Blazi. En passe résultat 5 dernières rencontres pour fanatique football yo. 9 février 2020, Osasuna a recevoir équipe Real Madrid là. Match ball ça a fini 4-1, c'était en faveur équipe Real Madrid là. 9 janvier 2021, Osasuna a recevoir équipe Real Madrid là. Match ball ça a fini match 0-0. 1er mai 2021, Real Madrid a recevoir équipe Osasuna. Match ball ça a fini 2-0, c'était en faveur équipe Real Madrid là. 27 octobre 2021, Real Madrid a recevoir équipe Osasuna. Match ball ça a fini 0-0. 20 avril 2022, Osasuna a recevoir équipe Real Madrid là. Match ball ça a fini 3-1, c'était en faveur équipe Real Madrid là. Elle a contrôlé dans 5 dernières rencontres d'équipe en Silayo. Nouvelle équipe Real Madrid là arrivé faire 3 victoires des matchs là, tandis que équipe Osasuna lui-même lui fait 3 défaites des matchs là. Qui ça veut dire pour nous pour un compte qui va dérouler dans cadre 7e journée, est-ce que nouvelle équipe Real Madrid là déjà paraît favori pour gagner rencontre en Silla. Pour la dit, n'a répondu oui, équipe Real Madrid là déjà paraît favori pour gagner équipe Osasuna.
Real Madrid a gagné rencontre ça pour 3 goals à 1 ou même qui t'a remis bail pronostic par ou capable faire passer dans un commentaire. N'importe ami qui arrive bail pronostic match ball ça, nous connaissons pronostic là les mêmes ni bail fanatique aussi avant rencontre les mêmes ni commencer. N'importe monde qui arrive bail pronostic ça, la gagne minute nan bladi. C'était un plaisir pour être avec vous dans vidéo ça. Pas oublier sur email, c'est quitter un like. Pour bladi sur à peine découvrir nous pour la première fois, c'est tout abonner, activer cloche notification, pas oublier partager vidéo ça avec